J'ai juré, abonne-toi et active la cloche. Comme il vole ce petit pélican, la rage d'un palestinien militant. Ok Mali, on est dedans. Ouais, Igo, je suis marqué. Par la vie, ça nous a fait se faire remarquer. Alors on vit mal. Igo, je suis marqué. Sur le terrain trop cramé, obligé de se démarquer. Hey yo tout le monde, c'est Meiko, j'espère que vous allez bien. Point à part les frérots, ça va vraiment nickel. Aujourd'hui les frérots, dans cette toute nouvelle vidéo de glitch, je vais vous apprendre à avoir une tenue modée bleue et violette magnifique. Donc les frérots, pour commencer cette vidéo, vous allez vous rendre en session sur invitation. Et donc une fois en session sur invitation, comme d'habitude, vous allez appuyer sur start en ligne et vous allez faire changer de personnage. Une fois les gars dans le changement de personnage, ce que vous allez faire, c'est donc créer un personnage secondaire. Vous allez appliquer le level qui va apparaître. Et ce que vous allez faire maintenant, c'est que vous allez mettre le sexe en féminin s'il n'est pas déjà. Et vous allez sauvegarder et continuer. Donc une fois les gars avoir créé ce personnage, vous êtes rendu en mode online. Si les magasins de vêtements n'apparaissent pas, il faudra juste appuyer sur start en ligne et faire trouver une nouvelle session. Pour ma part, les magasins de vêtements ont apparu. Donc ce que je vais faire maintenant, c'est que je vais créer les tenues. Donc pour commencer les gars, vous allez vous rendre dans les tenues. Et donc une fois dans les tenues, vous allez vous rendre dans les tenues de plongée sous-marine. Et vous allez prendre la tenue de plongée rouge vif. Une fois cela fait les gars, vous allez vous rendre dans les gants, donc dans les accessoires. Et une fois dans les accessoires, vous allez vous rendre dans les gants et vous allez prendre les tactiques clair forêt. Ce que vous allez faire maintenant les gars, c'est que vous allez sauvegarder une première tenue. Une fois cela fait les gars, vous allez vous rendre dans les pantalons. Et donc une fois dans les pantalons les gars, vous allez vous rendre dans les pantalons de sport. Et vous allez prendre le pantalon ample léopard, donc le premier. Une fois cela fait les gars, vous allez vous rendre dans les hauts. Et donc une fois dans les hauts les gars, vous allez vous rendre dans les blousons de cuir. Et donc une fois dans les blousons de cuir, vous allez prendre le 41e, donc la veste à ceinture bleu vert. Et donc une fois cela fait les gars, vous allez vous rendre dans les t-shirts rentrée. Donc une fois dans les t-shirts rentrée les gars, vous allez prendre le t-shirt bleu pixel, donc le 75e sur 92. Une fois cela fait les gars, vous allez vous rendre dans les chaussures. Et donc une fois dans les chaussures, vous allez vous rendre dans les bottes. Et donc dans les bottes les gars, vous allez prendre les bottes ouvertes usées noires, donc les 32e. Une fois cela fait les gars, vous allez enregistrer une deuxième tenue, donc celle-ci. Une fois que vous avez enregistré cette tenue les gars, vous allez vous rendre dans les hauts. Une fois dans les hauts les gars, vous allez vous rendre encore une fois dans les blousons de cuir. Et vous allez prendre la veste biker courte bleue. Et donc une fois cela fait les gars, vous allez vous rendre dans les t-shirts rentrés. Donc une fois dans les t-shirts rentrés, vous allez prendre le t-shirt gris pixel, donc le 72e sur 92. Une fois cela fait les gars, vous allez encore sauvegarder une tenue. Donc normalement vous finirez avec 3 tenues les gars. Voilà, donc ces 3 tenues là, une fois que vous aurez ces 3 tenues là les gars, vous appuyez sur start en ligne et vous allez faire éditeur. Dans l'éditeur les gars, vous allez faire créer une course, des courses terrestres. Et donc là on s'en fout, il n'y a pas d'importance, vous mettez n'importe quoi, le but c'est juste de créer une course vite fait. Hop, on s'en fout, moi je vous conseille de mettre en parcours les gars. Hop, en place, point de passage. Une fois les gars que vous avez rempli toutes les conditions, vous allez tester la course. Et donc une fois que vous avez fini de tester la course, vous aurez un message d'alerte, vous allez le valider. Et maintenant ce que vous allez faire, c'est appuyer sur start en ligne. Et vous allez faire choisir personnage. Une fois les gars dans le changement de personnage, ce que vous allez faire, c'est donc supprimer le personnage secondaire. Donc alors, voilà, vous allez supprimer le personnage secondaire en faisant bien attention de ne pas supprimer votre principal. Vous aurez un message d'alerte, vous attendez qu'il s'efface.
Une fois le message d'alerte fini, les gars, vous allez appuyer sur rond pour retourner en mode histoire. Une fois les gars en mode histoire, vous allez appuyer sur start en ligne et vous allez faire jouer à GTA Online session sur invitation. Et donc une fois en mode online, les gars, ce que vous allez faire, c'est que vous allez vous rendre dans les tenues. Et donc une fois dans les tenues, vous allez vous rendre dans les tenues course moto. Et vous allez prendre la combinaison moto bleue. Une fois cela fait, les gars, vous allez appuyer sur start, en ligne, activité, joue, activité, créé par Rockstar versus. Et vous allez lancer Ripou. Donc une fois dans Ripou, les gars, en vêtements, en style de vêtements, vous allez mettre possédé, vous allez confirmer. Et vous allez inviter des personnes. Donc dédicace les gars, Bastien d'avoir rejoint, merci toi poteau. Donc une fois que vous avez lancé l'activité les gars, vous allez vous mettre sur tenue possédée, faire une fois flèche de droite, vous aurez une première tenue qui va apparaître. Une fois cela fait, vous allez encore faire une fois flèche de droite, vous aurez une deuxième tenue. Et encore une fois du coup, et vous aurez donc le gilet pare-balles violet qui va apparaître, vous allez mettre prêt pour lancer l'activité. Donc une fois dans l'activité les gars, vous allez appuyer sur menu interaction, style accessoire. Et vous allez mettre un recycleur ou une oreillette, on s'en fout, il n'y a pas d'importance. Vous allez quitter l'activité avec votre téléphone. Une fois les gars que vous avez quitté l'activité, vous verrez que la tenue sera sur vous. Ce que vous allez faire maintenant les gars, c'est que vous allez vous rendre à un magasin d'vêtements ou un Amination pour sauvegarder la tenue. Donc moi j'ai mon rendu fait à l'Amination à côté. Donc je vais sauvegarder la tenue aux vêtements. Et donc voilà les gars, une fois que vous aurez sauvegardé la tenue, ben moi ce que je vous laisse faire c'est mettre un masque, ce que vous voulez. Donc moi j'ai déjà la tenue les gars, mais avec un casque violet. Donc si vous voulez le casque violet, je vous conseille de taper sur YouTube casque de couleur. Vous allez voir, le glitch il est pas très dur à faire. Donc voilà les frérots, j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à lâcher un petit pouce bleu, à rejoindre le Discord en description. Je vous rappelle que le compte lobby est toujours en jeu. Donc voilà les gars, merci à tous. On monte grave en abonnés, merci. C'était Meiko, moi je vous dis portez-vous bien. Allez, ciao.